Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. On est mercredi, il est presque midi je crois, et ce matin c'était la visite de mon équipe de ménage, fait que j'ai travaillé pendant que eux travaillaient. C'est tellement le fun quand ils viennent, ils sont super fins, puis on fait juste jaser, puis on écoutait de la musique de Noël pendant qu'ils travaillaient, c'était super le fun. Puis là, en plus, mon appartement est full propre, full beau pour Noël. Là, je m'en vais à Pointe-Claire pour un événement TELUS, j'ai été invitée, excusez, ah j'ai les yeux qui coulent là. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai été invitée à un événement pour voir les nouveaux magasins. Fait que j'allais voir ça, j'y vais avec mon ami Jeff. Puis après, on va juste chiller ensemble. Puis ce soir, je vais à la préouverture du marché Casse-Noisette, qui est le beau marché d'artisans, de trucs de Noël. Puis c'est pour la bonne cause, hein? C'est pour les enfants, pour l'art, pour le ballet, la danse, tout ça. Fait que ça me tient vraiment à cœur, puis je vais à chaque année. Fait que j'ai hâte de vous amener voir ça, on va voir tout ce qui se vend à ce beau marché-là, les choses à découvrir. Je sais pas, on dirait peut-être que je suis allergique à un de mes produits de maquillage, j'ai comme deux nouveautés sur les yeux. On dirait que je fasse un test où j'en enlève un tous les jours, voir c'est quoi qui me fait réagir. J'ai ça quand ça arrive, ça. Bon, je pense que je vais partir tout de suite, il est midi, puis c'est à 1h, puis je fais pas confiance à la circulation à Montréal, puis je vais en taxi, donc ouais, c'est ça, fait qu'on se repart rendu là-bas. C'était toute une épopée m'emmener ici, c'est loin là, ça a pris 45 minutes. Fait que je suis dans la boutique, c'est vraiment grand. Moi je suis pas cliente TELUS présentement, mais j'ai pas de contrat, fait que sait-on jamais. Fait qu'on va se promener, puis on va regarder les nouveautés, puis toute la boutique, puis tout l'espace. Mon ami Jeff est là! Allô! Qu'est-ce que tu fais? Oh! C'est comme le Apple Store de la téléphonie mobile. Ben oui, c'est cool! J'aime ça. Ah, caméra Nest. J'aimerais ça avoir un Nest pour juste surveiller mon chat pendant que je suis pas là. Qu'est-ce que c'est, ça? What? Une bougie connectée! Ben, franchement. C'est parfait. Need it. Donne-moi pas ça à Noël. Stock Kate Spade for the basic and you. Oh, shiny! Ah, ça, c'est le mini qu'on va avoir tantôt. Je trouve plus beau le mini que le gros. Je trouve que ça, ça a l'air d'un diffuseur d'huile essentielle un peu. C'est beau, là, mais... Aussi. Je sais pas s'il fallait l'activer ou pas. On voit, là, c'est vraiment... C'est vraiment bien... Je sais pas comment zoomer là-dessus, mais... C'est quand même bien détouré, tu sais, par rapport au iPhone X. C'est quand même un beau résultat. Wow! Pour des selfies Instagram. J'hésiterais à changer pour une interface Android, honnêtement, là. Je suis pas sûre que je suis prête. Je pourrais avoir un Pixel 2 dans ma poche pour faire des selfies. Looks life! Il y a tellement de produits connectés que je connaissais pas, là. Pourquoi tu as une smart lid? Ah, pour compter ton nombre d'eau que tu bois, la quantité d'eau, dis-je. Moi, j'utilise une app pour ça. La température. Puis en plus, la bouteille d'eau, elle coûte 90$. Je vais montrer un peu le look du magasin. Là. Bien sûr, c'est dans des couleurs. Mais j'aime beaucoup ça ici, là, les parois pour le son. C'est nice. Ça, je pense qu'il y a plus de monde qui achète ça pour mettre dans des photos que pour prendre des photos. Mais ça, c'est cool, la petite imprimante à côté, mais c'est cher, c'est 200$. Mais on dirait que j'en veux une, pareil. Allô? Je suis dans un taxi, il est rendu quelle heure, là? Il doit être 5h15. 5h30. Fait qu'on est parti du centre d'achat, après un petit peu de magasinage, puis ça a été vraiment long avant d'avoir le taxi, mais... Ça arrive des fois. Puis là, on est dans le trafic. Fait que je pense que je vais manquer mon événement de Casse-Noisette, malheureusement. Mais au moins, je suis en bonne compagnie avec Jeff, qui regarde au loin. Oh non, il me regarde vers moi. Fait que je sais pas. J'avais le goût d'aller voir le truc de pony aussi, mais là, tu sais, il est tellement tard, puis on n'est pas rendu. What is life? On s'est rendu. On est dans le petit marché Casse-Noisette. C'est une savonnette? Oh! Quoi? Deux items. De prédilection, avocat et citron. Wow! Qu'est-ce que ça sent, un avocat? Non, là-bas, il y a un petit vin d'honneur avec des bouchées. Une ambiance.
je suis de retour chez moi. Il est 7h52. Je suis dead, je suis fatiguée. C'était vraiment stressant l'affaire du taxi, là. On était prisonniers à Pointe-Claire. Bon, c'est pas vraiment une prison, là, mais tu sais, il n'y avait pas comme d'autre moyen de revenir que d'attendre le taxi. On a attendu le taxi une heure, vous en avez compte? Une heure. Puis après ça, on était pris dans le trafic. Anyway, on a quand même réussi à se rendre dans le marché Casse-Noisette, puis je suis vraiment contente d'être allée parce que j'aime pas ça, pas me pointer à des événements quand j'ai dit que j'allais y aller, là. Je trouve juste ça impoli de faire ça. Je dis pas que ça m'arrive jamais, mais tu sais, autant que faire possible, quand je m'engage à aller quelque part, j'y vais. Fait qu'on est arrivé, mais on est arrivé vraiment en retard, puis j'étais comme, je me sens mal d'être ici, en retard, comme ça. Mais on a retrouvé l'équipe, puis ils ont été super gentils. Ils nous ont fait faire le tour, on a rencontré les marchands. Puis c'était vraiment le fun. Fait que aussi, j'ai des choses que j'ai reçues à l'événement TELUS et aussi du shopping. Je suis allée chez HomeSense. Puis j'ai acheté quelques petits accessoires pour quand je fais des photos pour mon contrat avec VIB Essence. Puis n'importe quelle autre photo Instagram avec la bouffe, là. J'essaie toujours d'acheter des petits articles, des petites tasses cute, puis des assiettes, des choses comme ça. Fait que qu'est-ce que je vous montre en premier? Je vais vous montrer en premier ce que j'ai acheté chez Winners. Et la première chose, c'est cette tasse ici. Je ne sais pas si vous voyez, toute mouchetée, c'est une marbrée. Là. C'est un ensemble pour le thé avec un infuseur qui est compris dans la boîte aussi, vous voyez. Et moi, je l'ai vraiment acheté pour juste la tasse. Là. Je fais vraiment des belles phrases. Hein. Je suis fatiguée, les amis. Bon, voilà, c'est tellement beau, c'est une belle tasse. Là. Ben, c'est vraiment un motif comme marbré avec des espèces d'effets mouchetés dorés. Puis comme ça ici, ouais, c'est un petit peu sale. Puis elle est comme un peu translucide, c'est vraiment de la porcelaine ça, avec l'anse ici qui est une jolie courbe. C'est la marque Coco et Lola, et ça, ça coûtait combien? C'était 5,99. Puis il y avait plein d'autres beaux petits modèles. Elle se faisait aussi celle-là en rose. Puis ce qui était cute, c'est que la rose, elle vient avec une petite assiette pour déposer soit l'infuseur ou un biscuit, une petite assiette en forme de cœur, très cute. Mais moi, je la voulais plus grise, donc... j'ai pris celle-là. Ça, c'est l'infuseur. C'est une boule à infuser. Moi, je me sers pas vraiment de ça. À part pour hypnotiser Kiki. Oui, va faire mon lit. Mange moins de croquettes. Ensuite, j'ai acheté un beau verre. C'est un verre avec de la dorure. Je sais pas si c'est bon. Là, je vais mettre quelque chose en arrière. J'ai marqué Explore en doré avec des montagnes. Et ça, c'est 3,99$ l'unité chez HomeSense aussi. Puis finalement, j'ai acheté une assiette. Je cherche toujours des belles céramiques, des porcelaines. Mais tu sais, souvent, celles d'artisan, là, c'est beaucoup trop cher. Hier, je suis allée au souk. Je dis pas que ça vaut pas ça, là, mais c'est pas dans mon budget. Je suis allée au souk à la SAP, puis il y avait une belle assiette grise. J'aurais aimé ça l'acheter, mais c'était 50$. Fait que c'était un peu hors de prix. Celle-là ici était 7,99$. C'est la marque Elite. C'est fait en Chine, évidemment. Comme ça ici. J'aime le rebord comme ça, là. C'est vraiment beau pour pouvoir faire du petit plating, mettre des accents avec un beau wipe de sauce, puis vraiment super belle, je trouve. Je n'ai acheté une parce que j'achète juste ça pour travailler ou pour manger moi, là. Puis vu que j'achète beaucoup de vaisselle, ben j'ai pas trop d'acheter non plus, faut pas capoter. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai eu à l'événement TELUS. On était gâtés. La première chose, c'est une petite chose cute, c'est le macaron Merci Saint-Hyant. Je sais pas comment ça marche, mais c'est un macaron avec le panda. Parce que, encore une fois, cette année, TELUS s'implique dans le 24 heures du Mont-Tremblant. Puis ça, c'est l'espèce de petit badge pour illuminer le futur d'un enfant. Parce que ça, le 24 heures de Tremblant, c'est pour ramasser des fonds pour les enfants au Québec qui vivent des situations précaires, soit que dans leur famille où il manque d'argent ou plein de choses. Donc, excusez-moi, j'arrête pas de me gratter le nez, là. Je sais pas pourquoi. Mais c'est ça, le 24 heures de Tremblant, ça ramasse beaucoup d'argent. Je pense que TELUS a donné 1 million cette année. Fait que c'est fou. Ensuite, il y a un paquet Whoosh Tech Hygiene. Et c'est pour nettoyer l'écran de votre ordinateur, votre téléphone. Puis c'est non toxique pour aider aussi à résister contre les marques de doigts. Vous savez, c'est parfait pour moi parce que mon ordinateur, là, je ne sais pas comment je fais. On dirait que je pense qu'il est tactile parce qu'il y a plus de marques de doigts dessus que sur mon téléphone, presque. Je sais pas comment je fais mon compte. Ensuite, on a eu de Mophi. C'est un Power Station. J'ai eu le mini. On avait des choses différentes. Jeff a eu un autre modèle, je pense. Puis vraiment cool parce que moi, mon chargeur portable, il est vraiment gros puis lourd. Là. C'est un modèle, j'avais acheté ça dans le temps de la folie Pokémon Go. Là, puis je voulais pouvoir jouer pendant 10 heures. Fait que, vous voyez, je l'ai allumé ici, comme ça. Il est vraiment super petit. Ça prend un fil.
celui à Jeff, il y avait les branchements intégrés. Je pense que lui, ça prend vraiment un fil. C'est bizarre que le fil soit pas inclus. Il doit être dans la boîte, j'ai dû juste pas le voir. Puis ça marche pour charger un téléphone. Ça va charger jusqu'à 12 heures de charge sur cet appareil-là. C'est vraiment cool, la boutique. Il y a vraiment beaucoup de choix de différents gadgets. C'est dans le même esprit que la boutique Apple. T'as plein d'espèces de petits rayons. Ça va être la domotique pour la maison, les trucs fitness, les trucs pour les enfants. C'est vraiment le fun, je suis allée se promener. Et finalement, j'ai eu le Google Home Mini, comme ça ici, c'est l'assistant personnel électronique, le petit modèle. Je ne sais pas si j'embarque dans la folie des assistants personnels, mais je suis curieuse de l'essayer. Donc, merci beaucoup TELUS pour ce beau cadeau. Je suis contente de pouvoir faire l'essai de ça, puis de lui faire chercher des niaiseries. Donc, on est allé au marché Casse-Noisette, puis c'était le fun parce qu'on faisait le tour de toutes les stations des gens, puis on a eu plein de petits cadeaux. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a eu. Puis à travers tout ça, j'ai inséré des clips pour vous montrer à l'intérieur du marché ce que ça a l'air. C'est un super beau marché. Ça donne des fonds à la fondation Casse-Noisette pour les enfants. 10% de tout ce qui est vendu par les marchands est donné à la fondation. Et 100% de ce qui est vendu dans la boutique des Grands Ballets de Casse-Noisette, tout ça, ça c'est 100% des fonds qui vont à ça. Comme la petite boutique avec des tutus, puis un coin café, plein d'affaires là. Fait que ça c'est vraiment cool. Ici c'est un petit paquet de huile en folie. C'est un beau kiosque qui se spécialise dans les huiles fines, l'huile d'olive, et les vinaigres. On a goûté un vinaigre de champagne super bon, puis je crois qu'ils me l'ont mis, oui, le vinaigre balsamique au champagne, super doux. Il y a un petit côté, je sais pas, il y a un côté fruité vraiment bien sur des fruits, dans une vinaigrette pour la salade de fruits, je pense que ça serait bien, ou juste comme n'importe quelle vinaigrette à légumes, ou même, c'est con des fois, mais des vinaigres balsamiques, j'aime ça sur de la crème glacée à la vanille. Je trouve que ça serait bon. Et l'autre, c'est vinaigre poire champagne. Je vais vous les montrer de plus près. Donc, eux sont là. Aller les voir. Ça, la boutique est située où? Je sais pas, mais vous pouvez aller voir à olivemenfolie.com si vous voulez en savoir plus. Je pense que c'est à Westmount, ça. Ensuite, de bouquet gourmet. Ça, c'est vraiment le fun. Là, c'est une dame qui fait des produits à base de café qui vient du Rwanda. Et ils ont sorti plein de produits dérivés qui marient café et érable. Donc, c'est le meilleur des deux mondes. Hein? Le café ensoleillé du Rwanda, puis l'érable printanier du Québec. Ça fait ce produit ici-là, particulièrement, qui m'a impressionné, c'est Caférable, qui est une tartinade à base d'érable et de café. You know, c'était fou. Il y a aussi plusieurs types de café et aussi des savons à base de vétiver, à base aussi de café, évidemment. Ce qui est drôle, c'est que le vétiver, c'est une plante qui est utilisée pour repousser les insectes autour des champs de café. The more you know. Ensuite, on est allé... Ah oui, ça, c'est cool, là! Ça, je comprends pas, là. Ça s'appelle Ocni, objet comestible non identifié. Le branding est vraiment cute. Et ça, ce sont des saveurs à tailler. C'est à base d'agar-agar. C'est comme un crayon. Puis là, vous allez tourner pour faire des espèces de copeaux pour garnir une patate au four, du poisson, pétanque rôti, n'importe quoi. C'est dans ce beau petit contenant-là. Il y a des paquets de 3 aussi. Puis je crois qu'il y a des tarifs spéciaux pendant tout le marché Casse-Noisette. Et moi, j'ai choisi citron et sel parce que c'est celui qu'on a goûté. Et on commande de servir avec salade, poisson et tartare. Ça fait vraiment des copeaux, là. C'est super amusant. Tu sais, c'est ludique. Tu sors ça, t'as un souper, puis tu sors ton copeau. Assaisonnement, toute la ville en parle. Les Grands Ballets, en tant que tels, avec Toucher, les cafés, font un torréfié à Montréal là, en l'honneur du ballet, dans le fond. C'est deux mélanges, il y a l'audacieux et l'élégant, deux différents styles. Celui-là sur des cafés espresso, les deux sont fair trade, certifiés biologiques, vraiment cool. Donc c'est un autre produit pour aller chercher des fonds pour le marché Casse-Noisette. Puis j'ai bien hâte de les essayer, c'est super beau, il y a vraiment un beau packaging. I like it. Puis on est allé chez Petit Lapin, je sais pas si vous connaissez ça, mais c'est sur la rue Victoria à Westmount. Regardez le petit design là. C'est cute. Et Petit Lapin sont spécialisés dans les pâtisseries sans allergènes. Donc, peu importe vos allergies, vous n'avez aucune chance d'être malade là. Il n'y a rien qui est un trigger d'allergie. Donc, on avait une petite fleur déjà pour commencer. C'est gentil. De l'Atelier Floral, qui est compagnie liée à Petit Lapin aussi, je pense. Ou c'est-tu une amie qui l'a? Je sais pas, je suis pas certaine. Mais ils ont plein de produits aussi, le fun pour des fêtes d'enfants, comme ça ici, les biscuits à colorier. Vous pouvez les décorer avec, il y a un petit pinceau qui est fourni, puis là, vous prenez des colorants alimentaires, puis c'est la folie. Je trouve ça tellement une belle idée, là. Puis, il n'y a pas de danger, donc peu importe si vous invitez des amis de vos enfants pour la fête, puis vous n'êtes pas certain pour les allergies, ben avec ça, il n'y a pas de risque. Ben c'est sûr que c'est mieux de demander, là, mais bon.
OK, ça, c'est vraiment spécial. Ils ont créé une sorte de rose qui reste bonne super longtemps. La rose éternelle est une véritable rose fraîchement cueillie au moment où elle est la plus belle. Par la suite, cette rose est placée dans un récipient contenant un liquide de conservation naturelle. Elle demeure fraîche et belle pendant plusieurs mois, voire même des années. Et ça, je crois que c'est la rose standard, là. Ça sent vraiment bon. D'après moi, elle n'a pas été éternalisée, celle-là. Je pensais que c'est fini, mais non! Ici, on a eu des cadeaux de 12 sœurs qui se spécialisent dans les produits à base de chocolat. Ils font des friandises, des bouquets en fleurs de chocolat. Il y a aussi des petites baies de céréales recouvertes d'une espèce de praliné de chocolat. On peut mettre ça dans le champagne pour décorer. Ben, peut-être pas le champagne, là, mais mettons le cava. Ils m'en ont mis dans mon sac. C'est ça ici. Ça ressemble un peu au Chris Pearl de Paracaibo, le cacao Barry. Super cute. Peut-être pour des mariages aussi, je sais pas. Mais ça ici, là, c'est juste la folie, là. Le croque en bouche, c'est comme une espèce de toffee, noix, chocolat. C'est vendu dans des contenants, dans des boîtes ou des sachets. Puis, en tout cas, ils ont plein d'options là, pour faire des beaux cadeaux. Ils ont aussi des belles boules de Noël peintes à la main avec du chocolat, toutes faites à une. C'est 20$ la boule, je crois. Puis ça vient dans une boîte, donc on peut l'accrocher dans la boîte, dans le sapin. Puis, on peut la manger après Noël. C'est pas merveilleux. La dernière chose, je sais même plus c'est quoi. Ah oui, ça c'était fou, là. C'est une miellerie qui s'appelle Abella et Aristé. Quel nom, hein? Et ça, c'est une super belle histoire. C'est une femme qui est enseignante en art plastique, dont le père avait un parcours comme apiculteur. Puis elle a décidé, je prends sabbatique, puis je me lance dans le miel. Puis là, ça fait 2 ans. Puis là, je pense qu'elle est rendue à décider, est-ce que je retourne à l'école ou je continue avec les abeilles? Je pense qu'elle va aller avec les abeilles. Puis regardez, l'étiquette est vraiment belle. Puis là, on a eu un petit cadeau. Je sais pas c'est quoi. Ça va être un miel, j'imagine. C'est le miel, le miel aux fleurs d'automne. On l'a goûté tout à l'heure. Il est vraiment fruité. Il est comme une finale vraiment dans le caramel presque, là. Super beau miel pour faire des glaçages ou même mettre dans des biscuits. Puis, y a-t-il d'autres choses? Vous voyez que je vois d'autres choses? Something else is going on. Ah, cool! Ben oui, c'est vrai, parce qu'ils font aussi des produits de beauté à base de miel. Puis, comme, je sais pas c'est quoi le nom, là, le Prolo, quelque chose. Propolis. Ça, c'est l'espèce de désinfectant naturel qu'il y a dans le miel. Puis, c'est de ça dont les abeilles se servent pour tout préparer la ruche, là, puis laver la reine. Puis, je sais pas c'est quoi la to-do list des abeilles, là, mais je sais que le propolis les aide beaucoup. Donc, ils ont fait toute une série de soins, dont ce baume-là. Fait que merci beaucoup. Ouais, je pense que c'est tout. Oh my God! Quelle journée! Je suis vraiment gâtée aujourd'hui. Merci la vie, là. Genre, ça me dérange pas d'avoir eu l'histoire de fou du taximan tellement... ça valait la peine, finalement, d'aller au palais. Fait que c'est ça, je vais mettre les liens vers l'événement en bas. Puis c'est ça, c'est pas mal ça ma journée. Je pense que j'ai filmé beaucoup. Fait que je vais m'arrêter ici. J'espère que vous avez passé une super belle journée. Je suis tellement contente que Noël soit commencé, les vidéos de décembre. Si vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je fasse, gênez-vous pas, laissez un commentaire sous la vidéo. J'espère que vous êtes abonné à ma chaîne puis que vous avez activé les petites notifications pour pas manquer aucune vidéo. En fait, juste pour savoir qu'ils sortent, vous n'êtes pas obligé de les regarder, là, mais c'est quand même le fun quand on sait que nos créateurs sortent des vidéos, n'est-ce pas? Moi, j'aime ça. Fait qu'on va se dire à demain, puis je vous sors dans mes bras, puis à bientôt. Bye et tout, c'est le fun!